tirage au sort de mon concours. Il est temps, vous allez me dire, mais vaut mieux tard que jamais. Alors, je vais vous montrer les deux dernières participations que j'ai reçues et faire directement le tirage au sort. J'ai déjà préparé les petites... excusez-moi, j'ai du mal à regarder l'objectif. J'ai préparé les petits numéros ici pour faire le tirage à la main. Voilà, je me suis dit pourquoi pas à la main, on a toujours l'habitude de faire ça sur PC. Là, j'ai dit à la main. Voilà, donc tout est prêt là. Alors ici, j'ai reçu la participation de Christelle que je vais vous montrer. Alors elle m'a fait une carte comme ceci avec un long mot que j'ai lu. Donc voilà, voici la petite carte, donc dans les tons rouge bordeaux, j'aime beaucoup le rouge bordeaux. Et une petite carte ici, au revoir 2020 et bonjour 2021, pour vous dire à quel point j'ai du retard. Voilà. Alors, restez connectés sur ma chaîne. Dimanche, une grande annonce sera faite sur ma chaîne. Je n'en dis pas plus. Ensuite, elle m'a mis ici un petit pochon. Voilà, voilà, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, au revoir 2020, bonjour 2021. Donc, félicitations pour tes 6000 abonnés. Franchement, c'est trop beau. L'association des couleurs bordeaux et bleu, j'adore. J'adore. Elle m'a fait des petits ATC mis dans une enveloppe comme ceci. Je vais voir. Hein. Je ne suis presque pas barbare. Non. Toujours au revoir 2020, bonjour 2021. Toujours dans les mêmes couleurs. Merci beaucoup. Et un grand tag comme ceci. Donc, thème papillon. Une sur une, c'est la seule et l'unique. Merci beaucoup. Donc, avec tes coordonnées et compagnie. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Donc, Christelle, tu seras la participante numéro 6. Voilà. Et la dernière participation qui est de... Il n'y a pas de nom sur l'enveloppe. Deux. Ah oui, je me souviens, ça s'est décollé. Ariel. Il y a des choses qui se sont décollées, mais c'est pas grave, je les recollerai quand je trouverai mon carnet pour mettre vos participations. Tout va bien. Donc, ceci avec 6000 abonnés. Donc, ça s'est décollé. Je pense que c'était collé ensemble. Je pense. Oui, il y a de la colle. Donc, c'était collé ensemble. J'aime beaucoup l'embossage. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si je fais un petit focus. Voilà. L'embossage comme ceci. C'est vraiment trop beau. Donc, voilà. On va me remettre un peu plus clair. Hein. Voilà. Claire blanche. Un ATC. Je viens de me rendre compte, le gros accent que je viens de faire, c'est charmant. Et une carte, donc ça s'est aussi décollé, à mon avis, l'embossage a du mal à coller. Mais ce n'est pas grave, je recollerai tout ça avec un petit mot à l'intérieur et des petites découpes. Donc, il est marqué quoi sur la découpe? Bonne année. Donc, c'est génial, merci beaucoup, merci mille fois. Et donc, tu es du coup la participante numéro 7. Voilà. Ainsi se clôture mon concours. Et donc, je vais enfin tirer au sort. Donc, j'ai mis les 7 petits papiers. Alors, mon concours n'a pas eu du tout de succès. Tant pis, par rapport à mon autre concours des 3333 abonnés qui a eu... Il y a eu combien de participations? Plus de 50, ça c'est sûr. Enfin, soit, ouais, c'est pas grave. Au moins, ça vous laisse plus de chance à vous, les filles. Donc, il y a 3 enveloppes à gagner, donc 3 gagnantes. Alors, le premier petit papier, donc je remélange encore avec mes doigts pour être sûre. Voilà, comme ça, on ne dira pas qu'il y a de la triche. Alors, ce sera la première gagnante, la numéro 7. Mais voilà. La dernière. Hop, un autre papier. La numéro 2. Oups. Je vais quand même vous montrer mieux les papiers parce que
Donc, la numéro 7, la numéro 2. Et la dernière, les enfants seraient là, mais je ferai piocher pour la main innocente, mais bon, ils sont pas là, donc tant pis. C'est la numéro 4. Donc, je vais vous rappeler donc vos numéros. Donc, pour la numéro 7, c'est... Attendez, c'est pas pratique, hein, j'ai tout mis par terre. C'est Ariel. Donc, Ariel, manifeste-toi en commentaire, en premier lieu. Et ensuite, donc sous l'adresse mail que j'aurais laissée dans la barre d'infos, viens me communiquer tes coordonnées et me communiquer si tu as un mondial relais, ce serait sympa. Ensuite, je vais regarder ici les numéros de participation. Alors, la numéro 4, c'est Alison P. Donc pareil, viens te manifester en commentaire pour me donner tes coordonnées, s'il te plaît. Donc non, en commentaire, tu me dis, ok, j'ai vu le tirage au sort, et par email, tes coordonnées, ainsi que si tu as un mondial relais, ce serait cool. Et la numéro 2, je regarde. La numéro 2, c'est... J'ai coupé dans le nom. Bien évidemment. C'est quelqu'un de Couvain. Et la participation numéro 2 est déjà dans mon carnet que j'ai perdu. Donc, participante numéro 2 qui vient de Couvain, manifeste-toi. Voilà, j'ai toujours l'adresse, donc en email, remets-moi ton adresse pour être sûr que ce ne soit pas un hater qui vient de me donner une fausse adresse. Je viens de Couvain, hein. Donc j'ai l'adresse ici, j'ai juste pas le nom. Désolée. J'ai vraiment fait le concours à la Wallace Gain, hein, ça va aller, mais au moins je vous fais plaisir donc avec les trois lots. Dites-moi pour quel lot vous. Je crois que vous avez toutes dit presque que vous vouliez participer pour tous. Donc voilà, si vous avez vraiment une préférence, allez revisionner mes lots dans la vidéo, dans l'annonce du concours. Donc hop, il y a tous ces lots-là. Voilà, donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée de vous avoir fait attendre. Voilà, donc restez connectés sur ma chaîne. Dimanche, je reviens avec une vidéo importante. Vous comprendrez pourquoi à ce moment. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!